Le capteur PMH, encore appelé point mort, est un capteur qui mesure la position du vilebrequin du moteur en détectant le moment où le piston atteint le point mort. Le signal du capteur est utilisé par l'unité de commande du moteur pour déterminer le moment d'allumage et d'injection de carburant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une procédure de contrôle du capteur PMH. Symptômes d'un capteur PMH défectueux. Un capteur PMH défectueux peut entraîner des problèmes de démarrage, une faible puissance de sortie et une augmentation de la consommation de carburant. Des codes erreurs liées au capteur PMH peuvent également être enregistrés dans le système de diagnostic du véhicule. Procédure de contrôle. Voici les étapes pour effectuer une procédure de contrôle du capteur PMH. Localiser le capteur PMH sur le moteur. Il est généralement situé près du volant moteur ou de la poulie du vilebrequin, autrement appelée poulie d'ampère. Débrancher le connecteur électrique du capteur PMH. Utiliser un multimètre pour mesurer la résistance du capteur PMH. Consulter le manuel de réparation du véhicule pour connaître la plage de résistance spécifique du capteur. Ou vous pouvez aussi utiliser la base de données AutoData pour relever la plage de résistance spécifique du capteur. Si la résistance est en dehors de la plage spécifique, le capteur est défectueux et doit être remplacé. Si la résistance est dans la plage spécifique, passez à l'étape suivante. Utilisez un oscilloscope pour mesurer le signal de sortie du capteur PMH en tournant le moteur à l'aide d'une clé de contact ou d'un démarreur. Comparez le signal de sortie à la courbe de référence spécifique pour le véhicule. Si le signal de sortie ne correspond pas à la courbe de référence, le capteur est défectueux et doit être remplacé. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu comment effectuer une procédure de contrôle du capteur PMH. Si vous avez des doutes sur le fonctionnement de votre capteur PMH, il est recommandé de le faire vérifier par un professionnel qualifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires afin que nous puissions vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous car cela nous encourage vraiment.